pour servir Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Il a fait de nous un royaume des prêtres. Prêtres et sacrificateurs, c'est le même terme. Amen. Dieu a fait de toi, toi tu es prêtre. C'est pas le père Jean-Paul qu'on pensait qu'on était enfant, ou le père Vanille, tout ce qu'ils nous ont indiqué là. Amen. Prêtres, vous êtes des prêtres selon Dieu. Amen. Amen. Des sacrificateurs. Il est écrit que qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, à lui soit la gloire, pour servir Dieu. Amen. Dans l'Ancien Testament, il est sur le peuple d'Israël. C'est un peuple qui allait le servir. Aujourd'hui, vous êtes tous des sacrificateurs pour servir Dieu. Un sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? Il amène les gens vers Dieu. Il présente les problèmes des gens devant Dieu. Amen. Un attribut profond aujourd'hui du sacrificateur, vous le trouvez dans la fonction du prophète et la fonction de l'intercesseur. Aujourd'hui, nous prions pour le Congo. Nous présentons les Congo devant Dieu à titre de qui? À titre de sacrificateur. Nous pouvons asperger les sang de Jésus sur ce pays-là pour que les mâles puissants de Serge-Oki, de la franc-maçonnerie, de la méchanceté tombent. Et ça va tomber parce que nous sommes attitrés par Jésus-Christ par ça. Tout chrétien est attitré. Souvent, les chrétiens ne comprennent pas leur rôle. Vous sommes des sacrificateurs. Amen. Je vais enseigner peut-être sur le temple de Dieu l'année prochaine avec un grand tableau ici pour qu'on comprenne qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui-là. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous présentons, nous devons libre entrer dans le sanctuaire. Nous pouvons asperger le sang de Jésus. Pour la protection, pour la justification de nos propres péchés, sur les maladies. Parce que quand nous disons passé, maintenant nous sommes guéris, c'est le sang qui guérit. Tu as titré de faire cela. Alléluia. Parce que tu es sacrificateur. Les prêtres prennent le problème déjà, ils les présentent devant Dieu. Les prophètes écoutent ce qui est de Dieu, ils le disent aux gens. Les prophètes viennent de Dieu vers les hommes, les sacrificateurs viennent du peuple vers Dieu. Mais quelle est la fonction la plus difficile? Montez, tu portes le fardeau de foi. Mais dans la vie d'un prophète, tu deviens, il y a tous les deux, un prophète, il y a tous les deux. Les prophètes des fois, ça m'a dit malheur, moi si je ne prie pas pour vous. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a appelé, il avait un poids pour un pays, en train de pleurer et prier. Mais en parlant, l'Esprit me dit de lui dire simplement, prends 3 jours de jeûne à 5 pour ce pays-là. Il vient de longs jeûnes, mais il n'a pas le choix. Amen. Dieu cherche des enfants de Dieu qui comprennent les choses spirituelles. Si votre chrétienisme est toujours au niveau des... Vous souffrez pour vos propres problèmes, demandez la grâce de Dieu à votre vie. Vous devez pouvoir sentir les choses. C'est quoi? Les yeux pour vous, la télévision, quand le chrétien regarde la télévision, quand il voit le malheur, et ça nous pousse à prier. Sinon, pourquoi nous prions? Si notre Dieu ne peut pas arrêter les calamités, pourquoi nous prions? Il y a un Dieu qui arrête la calamité, mais c'est l'église qui est distraite, qui est dans la paresse. Alléluia. Mais fermez la caméra parce que j'ai encore mon doigt pour toucher. Alléluia. Amen. Amen. Donc, vous voyez que à lui, celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour son Dieu. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Donc, vous participez à la spiritualité des années à titre de sacrificateur. Et les souverains sacrificateurs selon l'aide de Messie-Christ, c'est lui-même, le Christ est Jésus. N'est-ce pas? Il est écrit qu'il intercède pour nous. Amen. Il intercède pour nous. Si vous avez commis les péchés, vous avez un avocat auprès du Père qui s'appelle Jésus-Christ, le juste. Vous, si vous êtes des petits avocats, vous avez un petit A. Un chrétien doit être quelqu'un qui défend la cause des gens dans l'intercession et dans la prière. Et notre accusateur, c'est le diable. Notre ennemi, c'est le diable. Nous pouvons partir asperger le sang de Jésus, mettre le sang de Dieu autour de nous, et les diables, autour des carrières, même sans qu'ils le sachent, les diables ne peuvent pas rien le faire parce que toi qui as prié, tu as aspergé le sang de Jésus sur nous, comme nous l'aspergeons sur le pays qui s'appelle le Congo aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni et soit exalté. Amen. Amen.
parce que vous avez été sauvés. Quand vous êtes sauvés, délivrés, c'est pour être pour Dieu. Amen. C'est pour faire attention sur votre délivrance. Vous avez cherché tellement la délivrance par rapport à une chose et que vous avez oublié que Dieu avait besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Il va te donner la chose, mais il a besoin de toi. Pour utiliser pour lui. Alléluia. Et on a vu aussi que Dieu est un Dieu jaloux, c'est la deuxième raison. Amen. Et faites attention à la jalousie de Dieu. Ça peut frapper fort des fois. Amen. Et puis on a vu aussi que vous êtes des temples, nous sommes les temples de Dieu. Ça, c'est la révélation la plus forte du Nouveau Testament. Les temples pour lesquels les gens se déplacent des kilomètres. Les temples maintenant et toi et moi. On va faire très attention. Amen. La Bible dit, celui qui détruit les temples de Dieu fera voir. Celui qui détruit les temples sera détruit. Amen. Je vais vous montrer ça. Dans Colossiens chapitre 3, je vais vous montrer ça rapidement. Amen. Alléluia. Oh Marachikaya. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Vous avez vu ça? Soulignez ça dans vos Bibles. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. Ne savez-vous que vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous. Sept. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 16 à 17. Alléluia. C'est pourquoi il dit que nul ne vous ne s'affiche lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce qu'il devient fou, en fait devenir sage. En d'autres termes, ne jouez pas avec les choses de Dieu par des raisonnements humains. Ce que Dieu dit est vrai. Alléluia. C'est un texte très très profond. Alléluia. Et nous avons vu aussi que le but de pour voir la main de Dieu et la puissance de Dieu dans votre vie, ou le miracle dans votre vie, il faut être sanctifié. Ou souvent, quand je vais ajouter quelque chose, quand Dieu vous a donné une prophétie, voilà comment ça marche. Dieu dit, tu seras guéri. Mais toi maintenant, quand Dieu dit ça, c'est comme Dieu a dit à Josué, dis au peuple de se sanctifier parce que je vais faire un miracle. Vie, sanctifiée. Si tu veux faire ton miracle, il va s'éloigner. Alléluia. Amen. Amen. Dans 5 minutes, on va terminer. Je vais rassembler une heure maintenant le message. Quand est-ce que vous avez été sanctifié? Quand est-ce que nous sommes sanctifiés? Je vais juste revenir sur cette notion-là. Amen. Vous voyez que les textes que nous avons vus tout à l'heure disaient simplement ce qui était dit selon la préséance de 1 Pierre 2, ils étaient sanctifiés par l'Esprit. Amen. Quand est-ce que vous vous êtes sanctifiés? Amen. Vous êtes mis à part à Dieu premièrement avant la naissance de votre. Quand vous soyez, tout le monde, si c'était Dieu, a déjà un plan pour toi.